Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc vous avez été nombreux à me demander que je fasse le montage d'un limiteur de régime sur la 90S. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je voulais pas mettre le même boîtier que j'ai mis sur la GTI. Donc sur la GTI, j'avais mis un micro Dynamix. Donc celui-là, la vidéo elle s'affiche ici. Donc pas mal, franchement, la qualité, le montage était super simple. Et ça faisait le taf. Mais aujourd'hui, on va monter un Omex. Donc le Omex est enfin arrivé à la maison. On va déballer tout ça, voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. On va faire le montage et on va voir ce que ça donne sur le 90S. À mon avis, ça va chier. Donc voilà, on va faire un petit peu le déballage, voir ce qu'il y a dans la boîte. Donc, packaging classique, une petite boîte en carton. Donc à l'intérieur, en fait, il n'y a pas grand-chose, hein, je vous le dis. À mon avis, Omex, eux, ils font pas dans le détail. Ils ont dit notre boîtier, il déchire. Enfin, j'espère. Et du coup, ils envoient juste ça. Du coup, tu as le boîtier qui est assez petit. Je le voyais pas comme ça du tout quand on regarde les vidéos sur internet, etc. T'as l'impression qu'il est super gros le boîtier comparé au Micro Dynamix. Je sais pas si on voit la différence de taille. Donc le Micro Dynamix fait presque le double en taille en termes de largeur. La longueur c'est le même. Par contre le Omex est bien plus épais. Donc on va déballer, voir parce qu'il y a l'air qu'il n'y a que la notice. Après il n'y a pas besoin de blabla. Hein, si il n'y a que trois fils à brancher comme sur le Micro Dynamix. Donc voilà, comment se présente le Omex. Donc boîtier propre, belle qualité, une belle finition, les trois fils. Donc ça m'indique que ça va être le même branchement que sur le Micro Dynamix. Il y aura un fil qui va aller au plus de la bobine, à mon avis un fil qui va aller au moins de la bobine, et un fil qui va aller tout simplement à la masse. Donc il n'y a rien de plus, hein, on me dirait. Je pense qu'on va faire le même montage qu'on a fait sur le Micro Dynamix. Parce que si il y a que 3 fils, ça doit être qu'il doit avoir le même système que sur le Micro Dynamix, à mon avis. Donc il n'y aura pas de bouton de coupure. Donc je pense qu'il va toujours être actif. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on rajoutera un bouton sur le plus, comme on a fait sur le Micro Dynamix. Comme ça, on pourra l'activer et désactiver comme on le souhaite. Derrière, il y a du double face. Donc si on veut le fixer sur le tableau de bord ou un truc comme ça, nous on verra bien où est-ce qu'on va le mettre. À mon avis, je vais le remettre dans la boîte à fusible ou un truc comme ça. Donc voilà. Vous voulez un potage, hein? Oui. Mais alors 3 portions de velouté, pique les noix, s'il vous plaît. Sur l'affichage. Donc l'affichage, c'est comme ça. Donc on a un bouton plus, un bouton moins, qui va nous servir à le calibrer, à mon avis. J'ai pas encore ouvert la notice, donc je peux pas vous dire exactement à quoi ça va servir. Mais à mon avis, que ça va servir à ça. Donc voilà. Le boîtier. On va regarder un petit peu la notice, ce qu'il dit. Donc, la petite notice en anglais, bien sûr, comme d'hab. C'est vraiment raciste avec les notices en français. Il n'y en a jamais en français. Donc ouais, donc c'est bien ce que je disais. Je vais prendre la GoPro comme ça. Donc, c'est bien ce que je disais. Donc, le rouge sur le plus de la bobine, le violet sur le moins de la bobine et le noir à la terre. Ensuite bouton plus, bouton moins. Alors attendez, je vais sortir mon anglais ancestral. Donc voilà, connexion négatif. Donc le violet sur le moins, ça on sait, le rouge sur le plus, on sait, le noir sur le moins, on sait. Ok, donc là il nous dit qu'en gros il va falloir sélectionner les cylindres, à ce que je comprends. During manufacture. Ok. Donc là, il va falloir sélectionner si on veut un 4 cylindres, un 6 cylindres, un 8 cylindres ou un 2 cylindres. Donc si les deux LED y sont noires, c'est que tu es sur un 4 cylindres. Si tu as la LED du 1 qui est allumée seulement, c'est que tu es sur un 6 cylindres. Si tu as la LED du 2 qui est allumée seulement, c'est que tu es sur un 8 cylindres. Et si tu as les deux allumés, c'est que tu es sur un 2 cylindres. Donc. Voilà. Et donc là il nous dit qu'en gros quand tu vas l'allumer il sera automatiquement à 6000 tours, donc il va être calibré automatiquement sur 6000. Le maximum c'est 20000, je sais pas si vous allez bien voir ici. Alors, 20000 6 cylindres, alors c'est 20000 pour un 4 cylindres, 12000 pour un 6 cylindres, 10000 pour un 8 cylindres
et 20 000 pour un 2 cylindres. Le minimum, c'est 1000 tours minute pour n'importe quel nombre de cylindres. Donc on va l'installer. Ce petit GU Carbu. Carbu VB. Il y a pas mal de choses que je dois revoir. Donc déjà, je vais remettre un coup de propre un peu partout. Donc tout ce qui est culasse, bas moteur, j'ai tout remettre au propre. Cache culbuteur sera repeint. Le décanteur de bulle, pareil, je vais changer la pompe à essence qui est ici. Il y a pas mal de choses que je remets au propre, même sur mon virer l'alternateur, parce que c'est un occasion qui vient de la casse, le truc qui fait un bruit, on dirait que t'es en train de tuer un chat à chaque fois que tu la démarres. Il y a pas mal de petites choses à remettre au propre. Donc, d'ici peu, en principe, il y aura aussi un arbre à cam qui va arriver. Donc, un petit arbre à cam en 272, à mon avis. Je suis pas encore décidé, mais à mon avis que ce sera ça. Arbre à cam en 272. Peut-être même voir pour le mettre un collecteur. On va voir, mais à mon avis que ça va arriver. Donc, arbre à cam à 272. J'en profite pour faire les poussoirs aussi, parce qu'ils font un bruit, laisse tomber. Il faut une demi-heure à chaque fois pour qu'ils se réamorcent. Donc, à mon avis qu'ils ont un coup dans la gueule. Donc voilà, pas mal de petites choses. Pareil, au niveau de ici, normalement, t'as une entrée d'air forcée. Je vais voir si je peux faire venir ici devant. Voilà. Il y a de la finition en fer sur le GU. On a fait un peu la carrosserie et tout le bordel. On va s'attaquer au moteur. Donc, pour le montage. Le montage du boîtier, donc, on a dit un fil sur le plus, un fil sur le moins et un fil qui va aller à la masse. Le même montage que sur la GTI. Je vais vous donner ma technique pour passer les fils. Donc, moi, je prends un fil rigide. Donc, fil électrique, hein, mais du costaud, bien rigide. Sur les Golf 2, derrière la boîte à fusible, bon, en fait, il y a déjà des pastilles qui sont prévues pour faire le passage des câbles. Donc, je sais pas si on verra bien, mais peut-être on le voit là-bas vite fait, il y a un jour. C'est une pastille qui est déjà ouverte, là-bas derrière. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais accrocher mes deux fils qui vont dans le compartiment moteur à celui-là. Donc, nous, le rouge, le violet. Donc, le rouge sur le plus, il me semble, et le violet sur le moins. Je vérifierai après sur le schéma, mais il me semble que c'était ça. Donc là, hop, je les mets ensemble. Un petit bout de scotch américain. I'm cowboy. Voilà. Comme ça, tu vises le trou là-bas, dans le fond. Et on n'a plus qu'à récupérer les deux fils. Donc voilà, les deux fils qui sont passés dans le compartiment. Comme papa dans maman. On n'a plus qu'à le raccorder à la bobine. Le moins. Donc le moins ici. Comme sur la GTI, on va aller le foutre à gauche. Ici là, à gauche, à l'intérieur, il y a la borne avec tous les moins d'avance. Donc on va démonter juste le cache, un petit cache en plastique pour avoir un peu plus de visibilité. On voit bien ici toutes les masses, elles sont là, boum, voilà. Tout ce que vous voyez là, c'est que des masses, et donc il y a plein de plots qui sont encore libres. Donc comme sur la GTI, on va se repiquer là directement, mais on est sûr que c'est une bonne masse. Donc là, on sort le coffret Lidl qui va très bien. Hop. Torsade, la boîte Lidl. Une petite femelle.
Donc la masse s'égoutte. Je la relie dans son emplacement. Donc ici, il y en a une là. Hop. Et voilà. La masse est branchée sur son plot. Il n'y a plus qu'à brancher. Il n'y a plus qu'à brancher le plus et le moins sur la bobine. Donc voilà au niveau branchement. Rien de compliqué. Hein. Donc le fil rouge sur le plus de la bobine. Fil violet sur le moins de la bobine. Bon, maintenant on va régler les tours minutes. Donc là, il faut démarrer. Donc, contact. Le bouton détient le bolideur. Donc voilà, j'ai sorti la GTI. Je vais vous expliquer pourquoi. Le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment je peux pas le mettre sur la 90S. Alors c'est même pas une question de pouvoir. Parce qu'en fait, tout était branché. J'ai fait tout le branchement, j'ai fait tout le montage, j'ai configuré le boîtier. Donc ça je vais vous l'expliquer après. J'ai configuré le boîtier et en fait il se trouve qu'à chaque fois que je le mets en route, à chaque fois en fait le. J'ai l'impression que c'est la bobine. Ça doit être la bobine qui se met à la masse ou j'en sais rien. Et du coup, j'ai plus du tout d'allumage. Dès que je débranche le boîtier, j'ai de l'allumage. Donc il faut savoir que sur le GU, il y a déjà un problème de faisceau, que j'ai dû faire un bordel. Au début, quand on l'a eu, la voiture ne démarrait pas du tout. Et du coup, j'ai dû faire des modifs sur le faisceau pour dire qu'elle puisse démarrer, etc. Parce qu'elle ne démarrait pas du tout. Il y avait un problème en fait d'alimentation au niveau de la bobine. Et en fait, même en remplaçant le Neyman, etc., j'ai toujours eu le défaut. Donc voilà, là on est au volant du GU. Du coup, je mets la clé, je mets le contact. Quand on a eu la voiture, en fait, donc le contact est mis. Quand on a eu la voiture, en fait, à chaque fois qu'on voulait démarrer en tirant sur le démarreur directement, donc via le Neyman, elle ne démarrait jamais la voiture. Donc j'ai tout changé, j'ai changé le Neyman, j'ai changé tout ce qui pouvait gêner. Et en fait, il doit y avoir un petit démarrage sur le faisceau. Peut-être que dans le temps, il y avait une alarme ou un truc comme ça. Et du coup, ils ont fait de la merde sur le faisceau. Pour bien faire, il faudrait que je retire tout le faisceau pour que je vois exactement où est-ce qu'il y a le souci. Mais donc moi, ce que j'ai fait pour dire de dépanner et que la voiture puisse rouler, parce que elle ne pouvait pas rester indéfiniment sans rouler la voiture, c'est que j'ai chinté le Neyman. Et donc en fait maintenant la voiture elle démarre via le démarreur directement en fait. Donc le contact est mis et ici j'ai mis un bouton made in Etienne. Et du coup dès que le contact est mis, hop, le bouton ici est relié directement au démarreur. Et du coup ça démarre au quart. En fait
fait, c'est simple, hein, c'est juste un fil qui part du bouton, qui va directement au démarreur et qui l'alimente en direct. Le contact, vu qu'il est toujours mis via la clé, ça pose aucun souci. Et en fait, quand je coupe, ben, ça coupe le contact, donc ça coupe le moteur, c'est simple. Mais donc, est-ce que le souci, ça viendrait pas de là aussi? Je sais pas, j'avais déjà fait le test avec un autre limiteur de régime, un Made in AliExpress, que je voulais vous faire une vidéo, mais je pensais qu'en fait il y avait un défaut dessus, du coup en fait pareil, ça démarrait pas. Et là, quand je vois qu'avec le Omex ça fait pareil, à mon avis c'est qu'il y a un souci, il doit vraiment avoir un souci au niveau du faisceau ou au niveau de la bobine, j'en sais rien. Dès que je branche le boîtier dessus, on dirait qu'il me coupe l'allumage complet. Donc je vais faire le montage dans la GTI, on va voir si ça fait la même chose. Donc niveau branchement, ça va aller vite parce que moi, vu que j'ai déjà passé les fils pour le Micro Dynamics sur la GTI et que les branchements ils sont complètement identiques, je vais me repiquer sur les fils qui sont déjà dans la voiture avec je vais rebrancher mon bouton directement dessus et on verra si ça l'alimente bien et si la GTI elle démarre comparé à la pute ici qui ne veut pas démarrer avec le boîtier. Bon, là on est dans la GTI, j'ai tout monté, donc j'ai tout rebranché sur les fils que j'avais déjà passé pour le Micro Dynamics. Du coup, le rouge au plus, le violet au moins de la bobine et le noir à la masse sur le côté là-bas, à côté de la boîte à fusibles. Donc j'ai rebranché aussi le bouton sur le rouge comme j'avais fait sur le Micro Dynamics. On va voir si ça fonctionne déjà. Donc contact. Là, le bouton y est éteint. Donc ça ne fonctionne pas. J'active le bouton. Là ça fonctionne. Ok. Donc pour le branchement c'est bon. On va voir si ça démarre. Si ça démarre toujours. Le souci sur le GU, c'est bien un souci de faisceau, c'est d'avoir un délire avec la bobine ou j'en sais rien. Parce que j'ai fait exactement le même montage, les mêmes branchements sur la GTI et ça fonctionne très bien. Donc le souci doit vraiment venir du faisceau. Avec je vous ai dit le problème que j'ai eu quand on a acheté la voiture. Donc soit il faudra que je remplace directement tout le faisceau pour être tranquille. Sauf que c'est une phase 1 bâtarde, alors le faisceau, c'est un faisceau de phase 1. Dans une phase 2, c'est compliqué, mais pour bien faire, il faudrait que je sorte tout le faisceau et que je regarde où est-ce qu'il y a un souci. Ça fait chier parce que je voulais vraiment faire le montage sur le carbu pour voir ce que ça donne. Donc voilà, ça m'emmerde un peu, mais bon, c'est pas grave, on va voir ce que ça donne sur la GTI, on va voir un petit peu comment on le programme, le Omex. Alors, le Omex. Donc une fois que tout est branché, donc moi j'ai mis le bouton, donc vous êtes obligé d'allumer le bouton si vous en mettez un comme moi. Donc si vous mettez un bouton, c'est sur le fil rouge pour couper l'alimentation. Il faut savoir que en fait le Omex, c'est un peu comme le Micro Dynamics. Donc même si vous le débranchez pendant un certain temps, il y a une mémoire interne, un peu comme un autoradio. Et du coup en fait il enregistre vos réglages, même si vous coupez l'alimentation, il va quand même garder vos réglages. Donc le premier réglage sur le Omex, c'est le nombre de cylindres. Donc on met le contact. Donc moi je mets mon bouton. Non, je dis conneries. On coupe le contact. Le bouton est activé parce que sinon il n'y a pas d'alimentation. Enfin, si vous n'avez pas de bouton, vous avez compris, c'est alimenté. Donc vous appuyez sur le plus en premier. On appuie sur le plus et on met le contact. Et là, toutes les LED sont éteintes. Ça veut dire qu'on est sur un 4 cylindres. Si on appuie une fois, on est sur un 6 cylindres. Si on appuie deux fois, on est sur un 8 cylindres. Si on appuie trois fois, les deux LED sont allumées, on est sur un 2 cylindres. Donc nous, ici même, on est sur un 4 cylindres. Donc les deux LED doivent être éteintes. Là, on est bien réglé sur un 4 cylindres. On coupe le contact. Et là, c'est enregistré. Ensuite, on va régler la coupure. Donc sur ce modèle-ci, il y a une coupure hard et une coupure soft. Pour moi, sur le micro dynamique, celui que j'avais monté sur la GTI dans la vidéo précédente, c'était une coupure soft. Pour moi, là, je vais voir la différence avec celui-ci. Peut-être que c'était une coupure hard sur l'autre, mais en principe, pour moi, sur le micro dynamics, c'était une coupure soft. Du coup, là, on va régler la coupure.
Donc on appuie sur le moins, on reste appuyé sur le moins et on met le contact. Donc là, la LED elle est allumée sur le 1, c'est qu'on est sur la coupure hard. Si on veut rester, si on veut passer sur la coupure soft, on appuie une fois en bas et là on passe sur la coupure soft. Donc si on veut repasser sur la coupure hard, on appuie sur plus et là on est enregistré sur la coupure hard. Donc voilà, pour le réglage de la coupure, rien compliqué. Maintenant on recoupe le contact, c'est enregistré et là on va régler les tours moteurs. Donc en principe de base, le boîtier est réglé à 6000 tours. Donc dès que vous allez le brancher, votre boîtier va être à 6000. Donc là normalement, que je dis pas de conneries, on appuie, non, faut mettre le contact avant. On met le contact et on appuie sur les deux en même temps. Voilà, là ça a clignoté. Donc en principe là, c'est à 6000. Et du coup pour le régler, il faudra faire plus ou moins pour baisser les tours minutes. Donc c'est un peu plus chiant que sur le microdynamics, parce que le microdynamics, il suffisait d'appuyer sur le bouton, rester appuyé. On se mettait au tour minute qu'on souhaitait et ensuite on lâchait et ça s'enregistrait. Que là il faut régler de 100 en 100, donc de plus 100 ou de moins 100. Donc si on a 6000 et qu'on veut se mettre à 2000, il va falloir baisser comme ça jusqu'à 2000. On a fait un bond dans le temps de 2 semaines. Entre le début de la vidéo et maintenant, il s'est passé 2 semaines. Parce que j'avais pas eu le temps et il y avait trop de gens. Donc j'ai préféré prendre mon temps pour vous filmer quelque chose de qualité, parce qu'avec le monde qu'il y avait sur les routes, là ça va, maintenant on voit que c'est la pénurie là. Les gens ils osent plus trop sortir. Donc on va pouvoir filmer ça aujourd'hui. Le Homex sur la GTI. On va voir un petit peu donc les réglages en temps réel. Voir comment on règle. Et est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est efficace au moins autant que le microdynamics? Donc le Homex ici présent. Là, le bouton. Le bouton magique. Donc comme je vous ai expliqué donc au début de vidéo, donc pour régler le nombre de cylindres, on reste appuyé sur celui-là. On va refaire. On va le refaire comme ça. Comme ça, il n'y aura pas de questions. Si jamais vous en achetez, vous n'aurez aucune question sur le sujet. Alors voilà. J'ai fait un schmilblick pour que la GoPro le tienne. Donc on reste appuyé, enfin j'active mon bouton parce que sinon il va pas être alimenté. Donc j'active le bouton, je reste appuyé en haut. Voilà, donc là on est sur le réglage 4 cylindres parce qu'il n'y a rien qui est allumé. Si j'appuie, là il se met en 6 cylindres, 8 cylindres et 2 cylindres. Donc nous on se remet bien en 4 cylindres. Donc là on coupe. Là on va régler la coupure. Donc on reste appuyé. Donc là en coupure soft. Pour l'instant on va laisser sur soft. Et si on veut passer en hard, on appuie sur le plus et on revient sur le hard. Donc nous pour l'instant on va rester en soft. On recoupe. Et donc là maintenant on va régler les tours minutes. Donc pour les tours minutes, on appuie sur les deux en même temps. Voilà, la clignoté. Donc là, comme je vous ai expliqué, il y a 6000 tours. À partir du moment où vous allez rappuyer sur les deux boutons, admettons que vous avez fait un réglage à 4000, et bien à partir du moment où vous allez rappuyer sur les deux boutons et remettre le contact, il va se remettre automatiquement à 6000. Alors ça, je trouve que c'est un peu casse-couille, parce qu'admettons si t'es à, je sais pas moi, 4000 et t'as envie d'être à 3008, ben ils auraient dû mettre une fonction que en gros tu l'actives et que tu baisses de 2 tours, enfin 200 tours quoi. Mais non, eux, à chaque fois ils réinitialisent à son réglage de défaut, du coup il se remet à chaque fois à 6000 tours. Donc là normalement il y a 6000 tours, je vais vérifier en même temps que vous. Donc là je coupe, c'est enregistré. On va démarrer. On va voir s'il coupe à 6000. Voilà, donc il est bien à 6000 tours. Donc nous 6000 tours ça ne nous intéresse pas parce que bah, mon rupteur il est pas très loin. Moi il y a 6005, donc ça sert à rien. Donc on recoupe, donc voilà, donc on réappuie, on remet le contact. Donc si on veut 4000, il va falloir qu'on baisse de 20. Donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, là on a 5000 tours.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, on a 4000. On va vérifier. On va voir s'il coupe à 4000. Voilà, il se met à 3005 en vrai. Et la coupure, oh putain. La coupure, elle a rien à voir avec celle du Microdynamics. Mais là, putain, elle va me faire un de ses retours derrière. Ça fait déjà des bons petits retours. Après, il faut savoir que même sans le boîtier, si je tape un peu dans les tours, admettons, je fais des axels comme ça sur place à 3-4000, elle fait déjà des boulets de canon dans la ligne. Mais là, elle m'en a fait un pas mal. Donc là, je suis en soft. Du coup, la coupure en soft, je trouve, elle est déjà rapide. Elle est déjà rapide. Alors en hard, elle doit être encore plus rapide. Après, pour ceux qui cherchent vraiment à ce que ça pète, pour moi, le mieux, c'est la coupure soft parce qu'elle est plus douce. Enfin, elle est plus espacée. Du coup, ça fait un clac, 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 clac. Donc, il y a plus de chances d'avoir un retour parce qu'en fait, c'est l'espace entre les deux qui va faire qu'il va y avoir plus d'essence et du coup, ça va péter dans la ligne. Pour moi, trop serré, ce sera tellement proche que, à moins d'avoir vraiment beaucoup de retard à l'allumage, ce sera compliqué de faire péter derrière. Je vais vous faire écouter derrière ce que ça donne avec le réglage à 4000. Donc voilà ce que ça donne à 4000. Donc en fait là j'ai remarqué que ça pète au moment où je relâche les gaz. Donc au moment où je suis au rupteur, enfin au limiteur à 4000, ça pète pas plus que ça. Mais dès que je relâche les gaz, là il me fait un boulet de canon. Donc c'est sûrement l'accumulation de l'essence dans la ligne. Et quand le limiteur, en gros, arrête de limiter, tout simplement, l'étincelle revient et du coup, ça pète dans la ligne. On va le mettre à 3000, parce que je sais que c'est là qu'il y a le croisement de mon arbre à cam. Donc, on va le mettre à 3000 et voir ce que ça donne. Donc, on rappuie sur les deux, on remet le contact. Donc là, on est à 6000. Donc là, on doit baisser de 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on a 5000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, on a 4000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, en principe, on a 3000. On recoupe. En fait, il se met toujours un peu en dessous au début. Et après, il force en fait pour monter. Le retour dans la ligne comme à 4000. Donc en fait c'est ça, c'est que faut trouver le bon compromis en fait dans les réglages. Moi perso à 4000 je trouvais qu'il était pas mal. En fait moi je m'en servirais plus comme un lunch en fait. Du fait que j'ai le bouton, je peux mettre mon lunch et le désactiver assez facilement. Donc c'est plus avantageux pour moi d'être à 4000 voire 4005 pour dire de faire des démarrages, même si j'en fais jamais. Je pense que sa fonction de base, enfin, pour moi en tout cas, la fonction me servirait à ça. Là, je vous le dis, là, je vais le couper. En principe, juste en mettant des coups, des gaz. Juste en mettant des coups de gaz comme ça, ça devrait aller. Donc voilà pour le Homex. Alors qu'est-ce que je dirais là-dessus? On pourrait quand même refaire un autre test, mais ça reviendra au même. Au final, vous avez compris le principe. Donc pour ceux qui seraient intéressés pour le montage, pour faire le montage en tout cas de ce limiteur de régime, je dirais que c'est un bon limiteur, que la qualité est là. Franchement, le boîtier est bien, etc. Le branchement est super simple. Un peu déçu du mode de réglage. Je trouve qu'en fait ils auraient dû simplifier le truc, parce que là devoir à chaque fois couper, remettre,
c'est pas super pratique parce que si tu veux faire des réglages en roulant comme avec le Micro Dynamics, et ben en fait c'est chiant, t'es toujours en train de t'arrêter pour couper, pour redémarrer, pour couper. En plus à chaque fois que tu refais ton réglage, tu dois repartir de 6000. Donc franchement je trouve que c'est chiant parce que sur le Micro Dynamics, je sais pas si vous vous souvenez, il suffisait d'appuyer sur le bouton de maintenir le régime et en fait ça enregistrait le régime automatiquement et on pouvait le faire moteur démarré, etc. Donc je trouve que c'est pas super pratique. Après je vous ai pas montré la coupure hard, je vais vous montrer quand même la coupure hard, mais personnellement je préfère la coupure soft parce que la coupure hard je la trouve trop rapide. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va modifier donc la coupure, donc on reste appuyé sur le moins, on met le contact. Donc là on est sur la coupure soft. Pour la coupure hard c'est le 1. Donc hop, on se met sur le 1. Je vais re-régler le réglage des tours minutes. Je vais me remettre à 4000 parce qu'à 4000 c'est là où j'avais l'impression que ça allait le mieux. Ou je vais me mettre à 3005. En principe on devrait être à 3005. En ce qui concerne le Omex, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Donc pour rappel, ce boîtier-ci, c'est le Omex Clubman simple bobine. Faites attention si vous en achetez parce qu'il existe en double bobine. Et donc si vous faites le montage comme moi sur un moteur en simple bobine, vous risquez d'être emmerdé. Donc faites bien attention à prendre le simple bobine. Il y a une version avec Launch Control. Donc je ne sais pas si ça change grand-chose. Fait d'avoir le bouton Launch Control, je sais pas si ça remplace le au final mon bouton que moi j'ai rajouté, donc à voir. Peut-être que par la suite j'aurai laissé avec le Omex avec le Launch Control. Personnellement, encore une fois, je vous le redis, pour moi la qualité elle est très bien, c'est un très bon produit. Je suis un peu déçu pour tout ce qui est réglage, etc. Je trouve qu'ils auraient pu simplifier un peu le truc parce que là je trouve ça chiant de devoir tout le temps couper le contact, etc. pour faire le réglage. Donc un petit bémol là-dessus comparé au Micro Dynamics. Micro Dynamics c'est largement plus facile à calibrer, je trouve, parce qu'en réalité le Micro Dynamics en fait t'as rien à faire, tu le branches et t'as juste le réglage du bouton à faire pour les tours minutes. Donc c'est plus simple. Vous me direz peut-être que le Omex est plus complet parce qu'on peut le régler vraiment sur le nombre de cylindres, etc. Alors oui, je pense qu'il est plus complet, mais ils auraient dû simplifier au moins la fonction pour régler les tours minutes, parce qu'en réalité quand on a réglé le nombre de cylindres et la coupure, je pense que si on choisit telle chose, on risque pas de le changer tous les 5 minutes, que le réglage des tours minutes avoir envie de le faire de changer plus régulièrement, quoi, tout simplement. Donc un petit bémol là dessus après je pense que les deux se valent en termes de prix. Ils sont quasiment dans la même tranche de prix. Donc voilà, après c'est à vous de voir. Vous avez les deux présentations des deux boîtiers, au moins vous pouvez vraiment vous faire une idée là dessus encore une fois, la vidéo du Micro Dynamics elle s'affiche ici. Donc si jamais allez voir cette vidéo, au moins vous pourrez faire un comparatif entre les deux. Je suis encore désolé de pas avoir pu faire le montage sur la 90S, mais malheureusement elle ne va rien savoir. Il faut vraiment que je regarde à ce faisceau parce qu'il doit avoir vraiment un problème. À mon avis ça doit se mettre à la masse ou il doit avoir quelque chose, on ne sait rien. Donc une affaire à suivre encore là-dessus, il faudra que je regarde tout le faisceau sur la 90S. Donc voilà, on va se quitter là-dessus, encore merci. Je vous invite encore à vous abonner, comme toujours. C'est qu'une invitation, je force personne. Vous faites ce que vous voulez. Ça me fera plaisir.
Run.